بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، mon frère, ma sœur, semaine passée, nous nous trouvons ensemble quand Allah subhanahu wa ta'ala les fit envoyer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sa première fois qui pour implémente l'islam. Première fois qui fin implémente l'islam. Pareil comme une médecine sorti, un vaccin sorti. Première implémentation sa vaccin là, par exemple, une faire, par exemple, c'est pas de la Chine, c'est pas de Canada. Un exemple. Quand l'islam il commence, ça veut dire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il vient avec l'islam. Pas l'islam qui commençait par l'ino, il commençait par Adam alayhi salam. Alors, l'okisana, il fait première implémentation de l'islam. L'okisana premier. Le mouchriqué, Quraysh, Makka. Ça veut dire que c'était ban mouchriq. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut présenter l'islam, l'oban là. Et aussi, ban les autres tribus alentour de Hijaz. Ça veut dire ce qu'on appelle la péninsule arabe. Alors, il y a aussi Madina, il y a aussi une tribu qui autour Makka avec Madina. Sabana, c'est une première personne qui peut recevoir implémentation de l'islam aux autres. Right? Et nous avons aussi, ça c'est point numéro un. Point numéro deux, qui sa société, sa bonne société arabe là, se dit dans l'état que je ne peux dire tout caractéristique insan. Je n'ai plus insan. Qui veut dire ça? L'ignorance, une prévaloir de société, c'est ce qu'on appelle un mujtama jahili, une société ignorante qui remplit l'ignorance. Qu'est-ce que veut dire l'ignorance? L'inpédit tous ses caractéristiques humaines. L'inpédit tous ses caractéristiques humaines. Il est capable d'être non-musulman, mais il n'est pas pédit caractéristiques humaines. Et il est capable d'être musulman, il pédit caractéristiques humaines. Qui fait? Qui prouve ça? Qui prouve? Un jour, il moi. Comment vous avez dit ça? Sa réponse est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui fait envoyer sur un sahaba qui n'a pas d'iman en premier hijra vers qui pays tu as vu ça? Quand tu peux gagner une persécution de Makkah, c'est vers Habasha. Mais c'était un les rois non musulmans. C'est moi qui tiens les rois qui juste. En même temps, il baptise juste. C'est-à-dire qu'il y a encore un insan qui peut reconnaître insan. Il peut accepter, écoute, causer, il peut accepter, réfléchir. Alors c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui fait un conseil sur un sahaba qui fait un iman pour émigrer vers l'Abyssinie, le premier hijra. Alors ça c'est un prévu, il est encore prévu de Coran. Alors, première implémentation de l'islam, il fait l'eau, ban arabe, principalement Quraysh, Makka, et aussi ban Madina. Et aussi le ban Madina. Et ça ban dit moun là, je suis dans l'état d'ignorance, je ne sorti dans l'état d'ignorance quand je ne réponds, je ne réponds. Alhamdulillah. Yahdi qu'Allah wa sallam. Quand ça ban Quraysh Makka ou bien ça ban tribu dans Madina, je ne réponds l'appel d'Awa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment il appelle ça? Comment appelle ça Astia? Sahaba. Après vous êtes sahaba. Vous êtes sorti depuis ignorant, vous devenez sahaba. Est-ce que ça clair? Ce n'est pas implémentation de l'islam que je viens d'accepter. Alors ça nous arrive la semaine passée, et bien qui est intéressé, je regarde cette leçon-là, en même temps le YouTube Nour Islam, et en même temps moi aussi mon YouTube Asraf Diono. Right. Aujourd'hui nous laissons. Est-ce que nous, musulmans, nous devons apprendre la ilaha illallah? Nous devons apprendre, nous devons comprendre qui étaient nos paroles
ou ça, nous sommes nés dans la case des musulmans, ça suffit. Qui veut dire? Qui veut dire ça? Beaucoup de gens peuvent dire de Maurice qui nous finit avec l'iman. Nous finis dire la ilaha illallah. Astère pour apprendre la ilaha illallah, qui vous peut dire? Nous qui nous pas musulmans, non, nous pas peut dire ça. Nous ne pouvons pas dire aucun du monde qui n'y a la ilaha illallah pas musulman. Nous ne pouvons pas dire ça. Mais nous questions, est-ce qu'il est bizarre de prendre conscience de la ilaha illallah? Moi, je vous dis une affaire. Moi, je vous dis une phrase là. Moi, appelle Asraf Djanou. Right? Moi, je dis à ce garçon là. Qui phrase, mon Dieu là, Baba? Djenko? Qui phrase, mon Dieu là? Moi, appelle Asraf Djanou. Qui, mon Dieu? Moi, appelle Asraf Djanou. Est-ce qu'il te comprend sa phrase là? Ça veut dire, mon petit, toi qui m'appelle Asraf Djanou. Ça veut dire, ces enfants-là, ils peuvent comprendre très bien quand ils disent une petite chose, qu'ils disent causer, ils comprennent qu'ils disent causer, ou bien ils ne comprennent pas. Quand ils disent, ils écoutent information. Quand ils disent, ils écoutent information, ça veut dire, ils écoutent information. Ils guettent ça, ils disent, qui peut causer là, ou ça, ils comprennent qu'ils peuvent dire une information. Ils comprennent. Dans le langage qu'ils comprennent. Normalement, s'ils peuvent lire la signe, il n'est pas pour comprendre qu'il peut lire, il n'est pas pour qu'on lire le chinois. Right. Si je dis un djimoun peut lire la gazette, ça veut dire qu'il peut lire la gazette, il n'est pas pour comprendre qu'il peut lire, ou ça quand il peut lire la gazette, il peut comprendre. C'est qui comprend en créole, lit en créole, c'est qui comprend en français, il lit en français, c'est lui qui comprend en anglais, il peut lire en anglais. Ça nous d'accord, là. Mais pourtant, dans le phrase, je ne peux pas dire que je peux lire et je peux comprendre la gazette. Écoute ça bien, que je peux dire, mon frère et mon soeur. Jamais un djimoun pas vous dire, je peux écouter et je peux comprendre l'information. Jamais un djimoun pas dire ça. Il dit, je peux écouter l'information parce qu'il est déjà compris, il est déjà understood, qui quand je dis, je peux écouter l'information, ça veut dire que je peux comprendre, parce que si je ne peux pas comprendre, je peux lever, je peux aller. Si l'information en bouche pourri, je ne peux pas qu'on bouche pourri. Il ne peut pas vous dire, je peux écouter l'information, je peux dire, je peux faire une ta page. Pareil pour écouter, et pareil pour parler, et pareil pour lire. Right là. Écoute ça bien. Dans sourah 38, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innahum idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun » Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de Coran, quand il peut dire « Quraysh Makkah » Écoute ça bien, mon frère. Capable ça les sons là pour moi, les plus importants les sons dans sa 26e session aujourd'hui ou bien 28e session, sa session aujourd'hui là, c'est plus important session même pour 26 enfants là. Allô, n'est concentré. Écoute ça, le Coran là. Innahum, en vérité, banna, ça veut dire Quraysh Makkah. Idha qila lahum, si diazut. La ilaha illallah, ça veut dire dia la ilaha illallah, yestakbirun. Qu'est-ce que vous faites? Vous refusez dia la ilaha illallah. Mais ayat Coran n'a pas dit yarfudun. Yarfudun veut dire refuser. Non, ayat Coran dit yestakbirun. Je te fais takabur. Qui veut dire takabur? Faire vantardise, grand noir. Non. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'in décrit qui veut dire takabur. Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'in expliquer qui veut dire takabur quand il dit ghamtun nas wa batarul haqq. Ou comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est rejeter la vérité et dénigrer les gens. Qui veut dire takabur? Dénigrer les gens. Deuxième, c'est refuse accepter la vérité quand nous reconnaissons. C'est pour ça que ça fait stakbarou. Et plusieurs places, quand ban Anbiya alayhi moussalam, ban Anbiya alayhi moussalam, ça veut dire prendre depuis Adam alayhi salam, jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ban Anbiya, et n'a pas mis autre Rasul, et n'a pas mis autre Ulul Azmi min al-Rasul. Trois niveaux de ban prophète nous finissons gagner. Combien de niveaux? Trois. Un, c'est ban prophète général. Prends depuis Adam jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout ban prophète. Deuxième, ban Rasul astir. Ibrahim alayhi salam, Rasul. Moussa alayhi salam, Rasul. Right? Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Isa alayhi salam, Rasul. Nuh alayhi salam, Rasul. Et il y a encore Rasul. Ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, c'est Ulul Azmi min al-Rasul. Ça veut dire ban qui a un degré plus haut que Rasul, c'est ban ulul azmi min ar-rusul, ban qui comment dire considère qu'ils ont grade plus haut. Qui sont là 5. Qui ça 5 là? Muhammadur Rasulullah, c'est chef de tout ban prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim alayhi salam, Nuh alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam. Ça c'est 5 ulul azmi min ar-rusul.
Créé là? Différents niveaux. Seulement, je tous avant Ambi alayhi moussalam là. Tout. Sans exception. Et un seul message qu'ils ont amené. Quand nous pouvons connaître qui message ils ont amené, Allah dit dans Surah 21, verset 25. Surah 21, verset 25, pour ceux qui peuvent prendre note, comme on dit à mon frère dans les sons Mounafiqin, nous devons arrêter d'écouter les sons comme entertainment. Nous devons arrêter d'écouter les sons comme un petit entertainment. Un petit cahier, un petit plim, nous écrivons un petit ayat courant dans la case, nous vérifions, nous venons la semaine prochaine, nous disons, on dit, nous, ayat courant, ayat courant, on n'a pas dit ça du tout. Hein? Vous pouvez dire quelque chose qui n'est pas dit, ayat. Ou bien vous dites, ben, numéro qui on dit là, pas dit du tout ce que vous pouvez dire, numéro là, pas bon. Là qui arrive, Manjimoun, je pouvais Manjimoun qui est en interaction, je ne pouvais pas me follower blind, je ne pouvais pas me suivre avec. Je bisais un mon frère, mon soeur, bisais un petit cahier, il peut écouter, il écoute des affaires drôles. Première fois, il entend ça. Il note, il entend des affaires drôles aujourd'hui. Bon, bisais dimanche sa prophétie, là, quand il peut sortir aujourd'hui, ou bien demain, ou bien comme besoin de lui, concernant ça qui se passe, parce que ça, ça amène une tendance. Ça. Là qui peut arriver, ça pas pour qu'un blind follower, ben du monde pas pour venir, ben du monde qui suivent avec n'importe ce qui dit accepter, Allah me parle, Allah peut réviser mon Coran, moi peut réviser mon Coran avec Allah, Allah peut corriger mon Coran. Du monde écoutez même, parce que du monde il finit prend son intellect, il pose ça dans la main son professeur il fait comment dire, je connais la pâte du pain, il donne une forme qui a envie. Non, il ne faudrait pas qu'il y ait un professeur, n'importe qui professeur qui est là, excepté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui donne ce cerveau, laisse-le manipuler, le formater de la façon qu'il voulait. Mais il y a même qui vous pouvez laguer avec un autre du monde, parce que, écoute ça bien, si moi, mon format, mon bon élève, d'après moi, lui, le format, son bon élève, d'après lui, troisième là, format, son bon élève, d'après lui, qui peut arriver à ces trois du monde là, pour gagner la guerre, parce que cette formation, pas une seule qui a été formation. Nous avons besoin d'une formation, ce qui Allah voulait, d'après le tariqa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Clair. Je retourne à l'ayat Coran 21-25. Ça, l'ayat Coran 21-25, là, ça veut dire que les petits enfants ont besoin d'apprendre. Il y a un ayat Coran appelé 21-25, il y a un ayat Coran appelé 51-56, il y a un ayat Coran appelé 33-21, il y a un ayat Coran appelé 33-36, il y a un ayat Coran appelé 59-7, il y a un ayat Coran appelé 15-9. Ça, c'est un ayat Coran qu'un musulman, quand il comprend, il ne peut pas dire qu'il apprend le Coran pour qui il est. Il cite à peu près 8-9 ayat Coran. Quand il donne un musulman, un pionnier de un ayat sur qui sa famille dit boutu ça. Par exemple, 65-3, c'est lui qui est en taqwa. Allah ouvre ainsi mes sorties pour lui tout le temps. Allah donne-lui son rizq. Quand lui-même, il ne peut pas attendre que ça soit sorti. Mais ça, c'est un ayat courant qui m'a besoin de mettre ça dans Mirai, le mot la table. Dans mon training management, sur mon training, le trainer, il vous dit, oh, comme ça, quand on finit, mettre vos objectifs, mettez-les devant la table, aux enfants, tous les jours, il vous trouve ça, l'objectif-là, pour ça, ancrer dans ce cerveau. Quand nous, courant, il finit enceinte, nous, ça, 1440 bananes, de cela. 1440 bananes, de cela, Coran, il finit enceinte, nous, ça, ma conception. Qui a aujourd'hui, ben, n'a pas expliqué du monde. Parce qu'il fait, le Coran il descend pour communiquer avec le cerveau. Le cerveau est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un message qui est approprié avec ce cerveau-là. Est-ce que ça clair? Quand Allah descend le Coran, il descend le Coran d'après qui cerveau travaille. Je pourrais ébêter ben, l'exemple qui nous causait en créole, il y a même l'exemple de l'arabie, il y a même l'exemple de la signe. Par exemple, je dis, Lisier casse-ferraille. Dans sa cause là, pas de créole ça. Lisier casse-ferraille. Quand il y a un lisier casse-ferraille, dans la Chine, il y a même causé. C'est en chinois. Qui fait? Parce que le cerveau, il travaille une seule façon. Seulement, il dépend qui nous met là-dedans. Si tout ça, le cerveau, de tout ça, la nationalité là, il gagne sa formation coranique avec Sunna là, cette réaction pour d'après Coran avec Sunna. Ça clair là? Allez, raï, mourir à mes yeux, tout mon ambiya, alayhi salam, je tout, des milliers et des milliers, et un seul message qu'ils ont amené, un seul, pénadé. Qui est ce message là, diamant? Hein? Qui message? Hein? La ilaha illallah, code suprême, 21-25. Allah dit dans Surah Ambiya, alayhi salam, وما أرسلنا من قبلك من رسول
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله سبحانه وتعالى بجد نو با فين انفوا اللي بجابت محمد صلى الله عليه وآله وسلم et en d'autres mots aussi à nos communautés musulmans ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous pas fin envoyer aucun rasoul avant toi excepté qu'il nous révèle vers eux la ilaha illallah et établir ibadat juste pour Allah. Un seul message clair. Quand Adam alayhi salam il descend dans dunya ben frère qui rappelle les sons passés mais qui dit ben n'a-t-il été Habil, Qabil, Nabil ben les enfants de Adam alayhi salam qui dit Islam. Clair ça? Nous finissons expliquer en détail ça, je vais get back to my lesson. Astier, quand nous, alayhi salam, in vini li, ben nen ado idol. Qui ben du monde qui n'a ado idol? Qu'est-ce que ça? Hein? Musulman? Parce qu'il partit même le din. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, sahih Bukhari, li dit qu'il partit les autres din. Ça veut dire qu'il tient une seule communauté. Qui communauté? Musulmane. Communauté musulmane. Ummat insan. Aujourd'hui, nous pouvons dire ummat Muhammad, parce qu'il y a ummat Isa, il y a ummat kafir, il y a ummat Ibrahim. Dans cette époque-là, qui ummat tient? C'est ummat musulmane. Parce qu'il y a jamaat, pendant les autres, l'équipe, pendant les autres. Sa réalité, la trouve dans Surah Baqara, verset 214. Verset 213. Surah Baqara, verset 213. Allah dit كان الناس أمة واحدة qui l'humanité est une seule communauté une seule ummah فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Alors la communauté humaine Adam alayhi salam sous ses enfants ils tiennent seule communauté. Ensuite, qu'il est arrivé, il envoie un ambiya et moussalam parce qu'ils ont divergé. Qu'il arrive, ça? Finir la division, c'est-à-dire. Qui division a gagné? Un l'a déjà fait un amas, mettre le chest et qu'un l'a déjà fait un amas, mettre le bâtiment? Non! Un l'a peut établir ibadat juste pour Allah et deuxième l'a peut établir ibadat pour une lutte à part Allah ou bien ensemble avec Allah. Clair là? Qui s'en a, ça va du monde là? Man six enfants de Adam alayhi salam. Clair? Mais il mentionne cinq awliya Allah. Cinq awliya Allah qui shaitan il fait un travail avec sa communauté qui tu commences perdu sur iman. Il n'est pas encore perdu sur iman complète, non. Sur iman, il commence diminuer. Tu en as cinq du monde pieux qui tu peux rappeler les autres Allah. Peut rappeler eux de ta foi, peut rappeler eux de cette ibadat qu'ils ont besoin de faire. Quand ça m'a dit mon pieu là, une mot, Shaitan il apparaît. Clair là? Je te rappelle ça l'histoire là? Moi je vais expliquer en détail, tu prends beaucoup les temps là. Mais là, mon bizin explique ça qui fait pour montrer l'importance qui musulman, les bizin apprennent la ilaha illallah. Qu'il y peut dire, basé sur ce qu'ils nous apprennent, le dire, écouter avec lire veut dire comprendre. Alors, pareil, quand nous disons la ilaha illallah, nous devons comprendre qui veut dire la ilaha illallah, parce que ce qui fait, nous devons comprendre pour qu'il ne nous pas faire une action qui est contraire, opposée à ce qu'il a, ilaha illallah, peut dire. Et l'histoire humaine montrait qu'il s'était ban musulman même, de ban petits enfants de Adam alayhi salam, qu'ils ont fait, Shaitan était trouvé, ils ont iman in baissé. Et tu n'as pas dit mon pieu, mon aulia Allah. Tu n'as pas aulia Allah, mon Allah sur mon camarade. Qu'est-ce que tu peux faire, Zot? Tu peux inviter du monde vers Allah. Faire salat. Mettre en pratique, Zot, mon l'autre qui a l'un d'un Zot. Pas désobéir à Allah. Quand ça m'a dit mon l'un mot, Shaitan il apparaît en personne. Ça expliqué dans Sahih Bukhari, c'est que je peux dire Zot là. Pas dans le livre d'histoire, ça. Qui n'est arrivé? Shaitan apparaît en personne. Qui lui dit à maintenant? Mais qu'ils ont pensé si nous mettons cinq statues, comme ça, ça capable de faire un rappel qui s'abandonne du monde là, dans sa statue là, quand tu abandonnes du monde là, tu abandonnes au lieu là, tu es vivant, mais tu peux rappeler eux Allah, mais comme ça, capable, eux aussi, eux qui rappellent Allah, quand eux guettent sa statue là.
Clair? Est-ce qu'il y a des autres adorent sa statue là? Non, je ne veux pas dire ça. Est-ce qu'il y a des autres adorent une statue? Non, pas des autres. Il y a des autres qui mettent l'île là comme ça. Ils sont capables de rappeler comment dire, ça va là, tu vas dire mon pieu. Et ils ont non mentionné dans le Coran, c'est qui drôle. Dans qui sourat? Dans le sourat Nuh alayhi salam. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. Ça c'est cinq, ça dit mon pieu là, zot non. Mais les temps shaitan, ils trouvent zot iman, ils baissent, ils font une proposition, ils font une nasiha, ils donnent un conseil. Pareil comme beaucoup du monde donne conseil. C'est moi ce conseil pas fait du monde rapproche avec Allah, ce conseil fait du monde éloigne avec Allah. Ce conseil pas fait du monde unir, ce conseil fait du monde diviser. Ce conseil pas fait du monde suivre sunna, ce conseil fait du monde faire action qui passe sunna. Conseil même. Tout ça l'appelle conseil même. Aujourd'hui, nous, Oumad Pelagir, quand nous avons des milliers d'actions, écoute sa phrase là bien, quand nous avons des milliers d'actions approuvées par tout Jamaat, dans tout sunna authentique, nous pas pour mettre ça en pratique, nous pas pour laguer avec une communauté pour mettre ça en pratique, nous parlerons d'une action qui communauté pas d'accord, une partie d'accord, une partie pas d'accord, nous pour laguer pour faire ça, action là, vient le point de l'unité de sa communauté là. Est-ce que ça clair? Vous comprenez ça bien là? Nous avons des milliers, des centaines d'actions qui communauté d'accord là, là, pas aucune divergence, qui nous pas permettent en pratique, nous allons d'une action qui nous-mêmes nous peut dire, pas dans sunna, et nous pouvons dire que la communauté fait cette action-là, et s'il n'est pas fait, elle vient de fausseté. Quelle qualité de la communauté qui nous peut vivre là? Vous comprenez ça bien là? Alors ici dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit de mettre ça, cinq dimouns puis là, ce nom il mettait. Alors Shaitan il vient, quand l'iman il baisse, qu'il fait, il dit aux autres, mettez un statut, il est capable de rappeler aux autres Allah. Shaitan ne dit pas qu'il va être pour Allah. Ensuite, il est arrivé, Shaitan il allait. Les temps sa génération qui a institué sa man idole là, statue là, une mot, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, il dit Tanassakha al-ilm. Tanassakha al-ilm qui veut dire ilm in évaporé, in enlevé. Quand ilm in enlevé, oubidet, sa cinq awliya Allah, qui shaitan in fait mettre une statue dans une place, que Dieu t'y assise pour faire les sons. Quand connaissance est enlevée et sa génération qui est là, il disparaît. Il y a une nouvelle génération, sa man idole là, il est adoré par les enfants et petits-enfants de Adam alayhi salam. Et Allah, il envoie Nuh alayhi salam parce qu'Adam alayhi salam, il finit qu'il dunya il allait pour faire les autres, reset sa man idole là, pour retourner l'audine de Adam alayhi salam et ses enfants qui sont muttaqi, qui Allah dit dans la surah Al-Ma'ida, « Watlu alayhi naba abnei Adama bilhaq idh qarraba qurbanan, fatuqubila min ahadihima, walam yutakabbal min al-akhar, qala la aqtulanna, qala innama yatakabbalu la min al-muttaqin. » Quand des garçons de Adam alayhi salam, ils ont fait un sacrifice, un qurbani, inaccepté pour un, Allah inaccepté pour un, il résette pour le deuxième, ensuite il dit « Mobutu y toi, qui fait pour toi inaccepté, pour moi pas inaccepté ?» La jalousie. Alors, le garçon qui se courbani inaccepté, il répond qu'Allah accepté seulement ban courbani de ban qui n'a taqwa. Ça veut dire qu'il y a des affaires pour le taqwa. Après, il y a des affaires, shaitan. Parce qu'il y a accepté, il n'a pas accepté. Il y a des qualités. Quand il y a des qualités, ça veut dire qu'il y a surat al-mustaqim. Et shaitan peut travailler toujours avec ben, les autres enfants de Adam alayhi salam, jusqu'à qu'il affaiblit son iman. Et ensuite, il introduit l'idolâtrie après qu'ils ont un imam, il finit baisser jusqu'à qu'ils ont perdu leur imam, ils disent envoie nous, alayhi salam. Mais ça va dire que nous qui dit nous étions au moment où ils ont un idole. Qui dit l'islam? Ça clair. C'est la même histoire là, il arrive avec Ismaïl, alayhi salam. Ismaïl, alayhi salam, qui dit Islam, quand tu es resté? Ismaïl alayhi salam, quand tu es resté? Hein? Mais quand Kaaba? Quand il y a un djimoun, c'est ma tribu, une zwenli. Quand il y a un petit bébé, je demande permission, son maman Hajar, pour que ça veut dire, je locate là, comment on peut dire?
pour rester là, pour habiter, pour faire habitation là, vous restez, vous avez une permission. Quand vous avez une permission, vous venez l'audine de Ismaïl avec Hajar. Ismaïl, quand il est jeune, il est marié parmi eux même. Quand il est marié, il commence à avoir des enfants. Qui est le dîme qui est là, qui peut vivre tout là-bas? Islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Hibban, il dit أول من بدل دين إسماعيل أو غير دين إسماعيل أمر ابن لهيب. رسول صلى الله عليه وسلم جاء premier جيمون كين sans دين de إسماعيل عليه السلام أن جيمون أبل أمر ابن لهيب. حديثنا ده بخاري ده تومان ليف. C'est lui qui vient introduire idolâtrie dans Kaaba. Right là, ça clair? Mais ça man جيمون كين adopté idolâtrie là qui دين ce qui était ce. Sanakin dia nous autres d'Odin Ismaïl salam, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il dit awwal man ghayyara ou bien baddala din Ismaïl Amr ibn Luhay ou comme a قال النبي sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous comprenons là mon de autres lit un peu vite parce que mon finir explique en détail ça l'histoire là. Moi peut dire que c'était ban musulman même qui fin ado en l'autre apporte Allah et une bizan va ban anbiya alayhi salam pour retourner de autres d'origine. Nous, nous ne pouvons pas dire personne in ado idol. Nous ne pouvons pas dire ça. Donc, je dis que je ne peux pas dire ça. Moi, je peux dire, nous pouvons apprendre la ilaha illallah, nous comprenons bien la ilaha illallah, afin que nous aussi, nous ne fassions pas pareil. Comment ça va dans les autres communautés? Nous faire. Pena aucun hadith, pena aucun hadith qui dit, qui ça fait? Qui dit que les musulmans ne peuvent pas faire shirk. Pena. Bon, je ne vais pas préparer, mais je suis capable de montrer à ce terre là. Je vais vous montrer une vidéo. Si vous avez envie de vous montrer, je vais vous montrer live. Une vidéo de 10 minutes. Vous avez vu? N'est-ce que une minute pour faire en place là. Je vais montrer une vidéo. C'est moi parfois mon père qui a rodé, il fait la musique là, ça qui est un problème. Je vais vous montrer une vidéo. Écoute ça bien. Quel niveau nos communautés est arrivé. Un djimoun vini, il y a l'Ajmir Sharif dans l'Inde, right? Il est considéré à ce là comme ban mujaddid, ban qui peut réformer din. Quand il y a un hadith, Rasoul Sassam dit dans chaque cent ans, dans chaque centenaire, pour un ban mujaddid din, ban qui peut venir, pour, c'est-à-dire pour faire din, reprendre sa forme, réformer din. D'ailleurs, hadith la même clair, ça veut dire que ben, pour déformer din. Pour bizarre, il y a un réformateur. Bizarre, il y a un déformateur pour un réformateur. Pas capable d'un réformateur, vini, tout le monde déjà l'audine origine qui Rasoul Sassalam il enseigné. Est-ce qu'il s'éclaire? Premier point. Arrête là. Rasoul Sassalam il dit dans sac. Karn, centenaire, pour un moujadid pour venir. Moujadid veut dire réformateur, ça veut dire qu'il faut faire, il faut donner un courant à la communauté musulmane, dans une connaissance, il faut revivre sa dîne qui ressource sa famille des là. Mais ce hadith-là, dans lui-même, il y a une preuve qui pourrait avoir une déformation qui pourrait avoir dans dîne. Mais là, quand il y a une déformation, il y a une réformation. Quand ça s'est dit, mon pieux là, dans l'histoire de nous, alayhi salam, quand on vient pour faire dawa, qui fait que tu peux faire dawa? Et que mes enfants, petits enfants de Adam alayhi salam, faudrait qu'ils maintenant commencent à égarer. Et d'ailleurs, ça ayat Coran qu'on fait courbani. En là, ce courbani inaccepté, en là, ce courbani rejeté, il y a une preuve que Shaitan, il finit comment se travaille, il gagne des qualités du monde. C'est pour ça que tu besoin à ces cinq pieux-là pour se faire da'wa, pour retourner du monde vers Allah. Ça veut dire que tu peux agir comme un réformateur. Oui, non. Mais quand il vient faire réformation, quand il y a une déformation, si peine une déformation, pas besoin de réformation. Si après Isa alayhi salam, l'islam tu continues de son origine, pas de sens d'île, pas de injil, tu restes pareil, tout le monde tu peux vivre d'île, tout le monde pays arabe, il y a un message, Isa alayhi salam, qui tu peux arriver? Qui fait besoin d'avoir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Qui peut venir faire? Qui peut venir faire? Ça veut dire quand d'île est difformé, quand Ahlul Kitab, l'île déforme d'île, quand un sens de livre, à l'un des saints pour avoir un Rasul, qui lit les kafatan pour tout le monde, pas juste vers Banu Israël, Isa, Moussa, il vient vers Banu Israël, Rasulullah sallam, il a kafatin nasi jami'a, il vient vers toute l'humanité en entier jusqu'à Qiyama. Qui fait le mise en voie, parce qu'il dit, il finit sans eux.
Clear? Première preuve. Deuxième affaire. Nous finissons de trouver à travers le Coran même. Qui c'était man musulman même? C'était man musulman même? Man qui tient l'islam qui adore idole? Oui non. Numéro 3. Dans sa vidéo qui m'a tient envie, montre aux autres les 6 semaines prochaines, je finis de préparer pour qui je me rentre sur YouTube, de faire la musique dans ma zite, ce n'est pas bon. Alors, je vais finir de tirer, je vais me séparer, je vais finir de vérifier, je vais faire les autres qui étaient faits, je vais finir. Je vais montrer aux autres un alim qui a été là. Il peut considérer comme un grand alim, un réformateur de l'islam. Dans l'Angleterre, il restait, il y a une origine pakistanaise. Il y a une origine pakistanaise qui reste dans l'Angleterre. Ça veut dire qu'il y a un ourdou, il y a un arabe, il y a un anglais. Il y a dans Ajmir Sharif, Lydia ya Khaja, Hamare Joli Bharde. Il peut dire ça là. Écoute bien, il faut dire qu'il fait en même temps. En même temps, il dit Nahnu, Hamlok Tumka, Ye Khaja, Hamlok Tumara Ibadat Nei Karte. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اخاف عليكم ان تشركوا en même temps qu'il peut dire man khaja gharib nawaz en même temps il dit nous pas faire to ibadat et il servi un hadith qui tout dans sahih muslim pour lui dire qui était pour lui dire que rasoul sallallahu alayhi wasallam india mo pas paix qui mo communauté fait shirk c'est qui mo paix qui dunia ouvert aux autres et autres faire compétition dans dunia pareil comme man communauté précédente in faire compétition. L'ipédiman ça doit aller avec Harim Nawaz, hein? L'ipédia joli bardé, hamara kouboul karo, c'est pas qui l'ipédia. En même temps, c'est moi, il fait un travail satanique, il dit, nous pas pédiman ça doit, nous peut faire tawassoul nous. Mais tawassoul, zame veut dire cause avec Jimounmo, tawassoul veut dire cause avec Allah à travers Jimounmo. Il n'y a pas de cause avec Allah, il n'y a pas de cause avec Karim Nawaz directement. Pas de ça, Tawassoul, ça. Ben, du monde connaît bien Masla Tawassoul, c'est un autre Masla. Écoute bien qui est arrivé. L'État, il peut faire ça. En tout cas, il y a une partie là-dedans de Dua, il y a une dimension avec Allah. Une partie, il servit Wasila Tawassoul. Une partie, il cause avec Karim Nawaz directement. Right, là. Quand il peut cause avec Karim Nawaz directement, l'État peut dire do, je ne sais pas ce qu'il peut dire. En même temps, il dit Ham lok tumara ibadat, ya raja, ham tumara ibadat nei karte. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inni la akhafu alaykum an tushriku ba'di, walakinni akhafu alaykum an tuftahi dunya alaykum fatatanafasu fiha. Il servit sa hadith de Sahih Muslim là. Dans un moment qu'il peut demander sa dua avec Karim Nawaz, il dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit mon père pour ma communauté qui lui fait shirk après moi, c'est qui mon père, c'est qui dunia ouvert aux autres et autres largués à cause dunia. Je fais compétition à cause dunia. Au comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a un hadith là, il dit pas pour faire shirk là? Il dit ça dans le hadith là? Pour faire, il dit ma communauté pas pour faire shirk? Ça qu'il dit ou ça il dit mon père qui veut faire shirk? Je suis venu me dire comme ça, tu connais Hamza, mon père qui te fait accident, c'est mon père qui, la police arrête toi parce qu'il te paye dans 16 ans. Est-ce que mon Jerry, ça veut dire, il n'est pas pour faire accident, mon Jerry, ça? Moi, mon père qui te fait accident. Mais je ne veux pas dire que tu n'es pas pour faire accident. Hein? Déjà, ma sœur, c'est un hadith que tu montres, qui est de la communauté pour une shirk là, ça qui nous fait avec ça. Rasoul Sassam dit un hadith. La taqoum sa hatta qaba'il min ummati ta'budu al-asnam. Qiyamah pas pour venir aussi longtemps qu'il y a une tribu dans mon communauté pas adore idole. Qui est arrivé? Mais ça hadith là qui nous bouffait avec ça. Et ben ulama il explique ça hadith que dire que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit mon pas père qui se fait shirk là, je tout dire, il explique ce qui veut dire qui mon pas père qui mon communauté as a whole pour faire shirk. Ça, c'est la signification que l'imam Nawawi, rahmatullah alayhi, il fait. Mais vous connaissez, je prends Nawawi, l'imam Nawawi, sa parole, quand il y a l'avantage. Quand l'imam Nawawi, sa parole, il y a des avantages, je ne prends pas. L'imam Nawawi dit que ce hadith veut dire que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'il n'y a pas de paix, qu'il n'y a pas de communauté as et whole pour faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comme il y a un hadith qui fait droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, que sa communauté peut être détruite complètement. Seulement partie de communauté peut être détruite. Si maman dans l'Indonésie peut gagner des affaires, si maman dans le Pakistan peut gagner des affaires, si maman
dans le pays musulman. La Turquie peut avoir un tremblement, mais c'est man Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je peux subir man quelque chose. Mais seulement, as a whole, nos communautés, pas pour subir une destruction basée sur le doua que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait pour nous. Est-ce que ça est clair? Alors, ça, c'est quelques raisons qui nous bizarrent à apprendre la ilaha illallah. Ça veut dire que si nous ne pas apprendre la ilaha illallah, n'importe qui est un monde qui tombe dans le shirk sans qu'il y connaisse. Est-ce que ça est clair? Nous arrivons 30 minutes. Je donne moi 5 minutes. Right? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui trouve dans Bukhari avec Muslim, il dit, parce que mon leçon aujourd'hui, c'est qui fait un peu bizarre prendre la ilaha illallah quand nous disons musulmans. Et écoute bien, mon papa dit à personne qui papa écoute sa leçon là, ou bien qui papa apprendre la ilaha illallah, pas musulman. Faire attention, mon papa dit ça. Mon papa dit ça veut dire quand un papa comprend, ça veut dire qu'il n'est pas musulman. Mon papa dit ça. Et un jimoun d'aller passer dans Maurice, quand il sortit l'arabe, il dit à sa cause là. Non, pas un droit de dire sa cause là. Il est fausse. Un jimoun n'est pas apprendre la ilaha illallah. Il est capable, n'importe qui passe d'un cyclone, il peut dire cela, ilaha illallah. Cyclone-là veut dire test. Mais seulement nous, nous ne sommes pas capables de dire un musulman, excepté qu'il fait une action qui est ummat in d'accord, sa action-là tient en lieu l'islam. Et ça aussi, pour faire jugement, c'est le travail de l'ulama. Et moi, personnellement, avec tiki de connaissances que moi, mon papa trouve qu'il nous a un alim dans Maurice, qui, comment dire, il a sa capacité de un qadi, un juge qui est capable de porter jugement au monde. Moi, je ne trouve pas ça. Nous tous, nous avons des frères qui apprennent, nous avons des élèves, nous tous, des élèves, même ceux qui font doctorat, qui font master, c'est des élèves. Et des fatwa qui nous peut donner aussi, c'est des fatwa qui nous peut transmettre de des ulama. Mais seulement, nous payons, moi, je ne pas trouvé. Moi, personnellement, capable de monter. Quand un jour, il dit, non, moi, je connais un alim. Vous avez dit, correct, tu connais un alim qui appelle alim. Ça veut dire qu'il connaît tout le monde founoun. Ou ça, nous connaissons un jour qui apprend et je peux faire un nakl al-fatwa, veut dire, nous peut transmettre un fatwa qui est un fini donné. Différent, ça. Un alim donne un masla nouveau. Il y a allé, il y a la cisée, il y a le travail, il y a le soul fiqh, il y a le maqasid sharia, il est venu, il amène une réponse et il est responsable contre Allah. Qu'il réponde dans place Allah subhanahu wa ta'ala quand il donne une fatwa. Hein? Facile, badina ça? Un petit badina, ça donne une réponse. Aujourd'hui, quand Jimoun pose moi une question, vous allez dire, dis-moi. Vous allez dire, dis-moi pour répondre, moi, je vais dire, qui va dire, après, je vais répondre. À ces questions-là, nouveau, bizarre, avoir une question-là, quand Ban Alim qui est dans un mat international pour analyser. Je t'évalue, après je te donne une réponse, et là, nous portons à ça la communauté. Est-ce qu'il semble clair? Right. Écoute ce hadith, c'est-à-dire. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit « Man shahida an la ilaha illallahu wahda wa anna muhammadan abduhu wa rasoulu de wa anna Isa abdullahi wa rasoulu right. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam وروح من والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Dans ce hadith là, Rasoul صلى الله عليه وسلم peut dire c'est lui qui témoigne la ilaha illallah et Allah l'unique. Déjà quand nous disons la ilaha illallah, nous disons la ilaha illallah. Qui fait dire وحده l'unique, le tout seul. Personne pas associé avec lui. La sharika là. Écoute bien, si c'est la ilaha illallah Muhammad Rasoul sallam, ça suffit. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas bizé dire wahdahu la sharika là. Nous pas bizé faire, jimoun apprend la quatrième kalima. Ce qui m'a dit, il apprend quatrième kalima qui était kalmae, comment on appelle ça? Kalmae awal, sani, salis. Mon blie, tcharam, mon cos, mon pas connais pas, mon pas connais mon blie, ça un peu. Mais ça kalma là qui veut dire la ilaha illallah, wahdahu, l'unique. La sharika la. Qui fait dire la sharika la? Quand nous finissons de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il n'a pas suffi. Nous pas finissons de dire la ilaha. Oh, bizarre fait, nous-mêmes rappelle que personne n'est pas associé avec Allah dans le kalima là. Vous connaissez Rasul Sallam qui dit c'est lui qui lit 100 fois
La ilaha illallah, wahdahu, la sharika lahu. On dit ici, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le matin, Allah protège contre Shaitan jusqu'à l'après-midi. Qui fait ça? Wahdahu, la sharika lahu. Ça veut dire qu'il peut montrer qu'il la ilaha illallah. Il dit ok, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il n'y a aucun problème. Mais qui arrive si vous faites sharika lahu, ou donnez une association, la ilaha illallah, cassé. Là, nous pire dit la ilaha illallah, il dit qu'il fait wazou. Il fait wazou depuis le wazou khana, il peut rentrer dans la masjid. La moitié semaine, il est anglais. Qui est arrivé? Il est gaz. Wazou cassé. Mais quand il finit de faire wazou, il n'y a pas besoin de faire wazou là. Mais est-ce qu'il donne nous dîner? Ben, ulama pas nous montrer nous qui kalima là aussi, il y a une petite chose qui casse lui. Où ça peut, non? Mais de tout mazhab, il y a ça. De tout mazhab, il y a ça. Je suis tout d'accord qu'il y a une petite chose qui casse kalima. Je ne veux pas dire que je suis musulman ou bien je accepte l'islam, qui me pour moi avec ça, l'islam, là. Et je dois pour demander pour ça. Oui, non. Qui doit qu'il nous montre nous demander pour qu'il nous montre l'islam? Dis-moi. Comment faut-il me dire ça ici? Dis-moi qui doit ça? Hein? Qui doit m'habiter dire? Doit Mayet. De Mayet qui nous dit Allahumma fir li hayina, zojim nous venons à ma janaza ici. وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوالى إيمانه بجمال الله دعا دانا ما زنازة والله سلوك دو قد فيفان parmi nous قد نلو إيمان et quand on prend nous prend nous l'Iman qui fait besoin de demander ça dua là si jamais pas pour arriver qui un jimoun qui naît dans la case musulmane ou bien qui n'accepte l'islam au cours ou pas au cours de la vie, si pas tu peux exister, qui est capable de payer du iman, comment capable Rasoul Sam enseigne nous un doua, demande doua pour que Allah garde nous avec iman et enlève nous avec iman. Clair là? Et ça prière. Dans ce hadith là ici, guide comment Rasoul Sam peut montrer nous bonne implication nous kalima. Qu'il peut montrer nous? Kalima là nous tout connaissons. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ça c'est kalima. Mais ici, il veut dire, Wahdahu, l'unique, la sharika, la personne pas associée avec lui, wa anna Muhammadan abduhu wa rasulu, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les serviteurs et messagers d'Allah, écoute bien c'est-à-dire, wa anna Isa abdullahi wa rasulu. Qu'est-ce que ça, comment on dit, je écoute là? Faut dire Isa aussi, abdullahi wa rasulu. Dans ce, nous croyons que Isa ibn Allah, qui est arrivé là, garçon Allah. Ça veut dire, si un chrétien les révolte vers l'islam, quand nous faisons les kalima, nous faisons aussi dire qu'il y a un Isa Abdullah wa Rasulu pour dire lui, confirmer qu'Isa alayhi salam, lui aussi messager et serviteur d'Allah, tant que quand il peut dire Allah, il peut croire qu'Isa lui est mal. Là, qui peut arriver? Qui peut arriver sur l'islam? Je vais vous donner un exemple. Venez coucher. Ça, nos frères, Joseph. Right? Un frère là, Joseph, il pour rentrer dans Dine là. Allez, ok Joseph. Ashhadu. Il pour lire calma là. Divance de tout, il mine dans ma zid, il pour lire calma là. Ashhadu. Dieu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasulu. Qui est arrivé là? Il finit rentrer dans l'islam, il n'est pas rentré. Qu'est-ce que je veux dire? Il tient chrétien, il y a la case. Sur mon camarade, il nous a dit, aujourd'hui, je rentre dans l'islam, alhamdulillah, mon témoigné qui Isa, lui-même Allah et Mohammed, le messager. Qui est arrivé? Comptez? Hein? Un masque dit, il y a un témoigné, il y a Kalima. Comptez sa Kalima là? Il y a un témoigné qui apprend un petit guide pour dire sa Kalima là, comptez. Si ça dit, il y a Kalima. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ensuite, il peut dire Isa li ibnullah ou ça Isa ou Allah. Est-ce qu'il soit l'islam compté? Compté ou pas compté? Pas compté. Ça veut dire que tout d'accord ou ça, il y a des gens qui disent non compté. Je tout dire pas compté. Quand nous tout d'accord pas compté, ça veut dire que quand il finit le kalima, s'il peut dire une parole ou bien une croyance qui compte sa kalima là, qui arrive sur l'islam? L'islam pas compté. C'est pour ça qu'il nous conseille, ben frère, mais c'est moi ça, il n'a pas appliqué, point de chinois. Il n'a pas appliqué, point de monde qui est hindou,
Mais pour un chrétien, il est important qu'il fait lui comprendre qu'Isa alayhi salam, il n'est pas Ibnullah, il n'est pas Thalith ou Thalatha et il n'est pas Allah. Trois conceptions qu'il y a, le Isa alayhi salam de Coran qui est rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est clair? Ça veut dire que Rasoul Sassam qui veut dire, wa anna Isa, Abdullahi wa Rasoulu, wa kalimatuhu alqaha ina Maryam. C'est ce parole qu'il est révélé vers Maryam. Wa ruhum min, un esprit de Bili. Wa aljannatu haq. Et Jannat vrai. Tant chose de quoi qui peine à Jannat. Wa naru haq. Et Jahannam aussi vrai. Tant chose de monde peut penser, mais comme on rentre musulman, ou ça comme on est musulman, comme un mot, ça veut dire Jannatu bi ghayri hisab, peine à jidou pour le passe dans Jahannam. Rasulullah qui dit adkhalahu Allahu al-janna, Allah fait lui rentrer dans Janna, hein, ala ma kana alayhi min al-amal, et ben action qui y est là, il y en a pour rendre son compte là aussi seulement. Là aussi, il y en a pour rendre son compte. Ça veut dire que dans ce hadith-là, peut montrer nous qu'il y a une condition dans la ilaha illallah. Est-ce qu'il s'éclaire? Alors, ça, c'est mon explique une raison qui fait nous apprendre la ilaha illallah pour nous terminer les leçons. C'est parce que, comme un ambiya est venu, je viens vers ma communauté qui s'y déjà con Allah et je ne fais shirk avec Allah. Et là, quand notre prophète, il quitte Dunia, il envoie l'autre prophète pour faire notre retour vers Allah. Nous explique l'histoire de Adam alayhi salam vitement, mon désir expliqué dans le passé, et ben petits enfants de Ismaïl alayhi salam. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, les fins enseignent sur les sahaba, qui la ilaha illallah, il y a une implication, et nous vous trouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine, qui veut dire la ilaha illallah. Est-ce que la ilaha illallah veut dire, peine à aucun bon Dieu excepté Allah? Est-ce qu'il est bon sa traduction là? La ilaha illallah. Est-ce qu'il a ilaha illallah veut dire peina, there is no God but God? Est-ce qu'il est bon ça? Est-ce qu'il est bon nous dire there is no God but Allah? Est-ce que le mot ilah veut dire God? Est-ce que le mot ilah veut dire Dieu? Ou ça veut dire divinité? Inch'Allah, la semaine prochaine, par la leçon, nous pouvons expliquer la ilaha illallah. Bi'idhnillahi azza wa jalla. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, qu'il fait nous vivre le la ilaha illallah. Et il fait nous mot, le la ilaha illallah. Et c'est lui qui fait mot, le la ilaha illallah. Il n'est pas fini de faire shirk avec Allah. Même l'isouen Allah avec Qurab al-Ard, min al-Khataya. Même prend PC depuis la terre jusqu'à les ciels. Mais il n'est pas fini de faire shirk avec Allah. Allah pour joindre lui avec même quantité pardon. Avec même quantité pardon. Et c'est lui qui mot, il n'est pas fait shirk avec Allah. Il peut rentrer dans Jannah. Sa Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Jibril, wa in zana wa in saraq. Jibril dit wa in zana wa in saraq. Même s'il ne fait zina et s'il est coquin, mais s'il n'est pas fini de faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, il pourra rentrer dans Jannah. Et ça a montré valeur d'un musulman qui lui préserve cela, ilaha illallah, il ne pas laisser atteindre par n'importe qui forme de shirk. Et s'il arrive, il récit mot. Il y a un péché, mais il n'est pas fini de faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut trouver qu'il se simé par divan. Il est beaucoup, beaucoup bien. Et il y a à peu près plus que 100 hadiths qui montrent que c'est lui qui mort et pas faire shirk avec Allah. Il peut gagner Jannah par rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il préserve l'ummah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam contre shirk. Et nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il tient nous. Si arrivé mon frère tombe dans shirk, et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il garde nous avec la ilaha illallah et qu'il nous paye mot. نمو عليك أن لا إله إلا الله كي بوسيه فينو دو آخرة وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.